Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode du jour qui est sur Skyrim. Skyrim, même, je dirais même plus, The Special Edition. Skyrim, jeu que j'ai un peu joué il y a longtemps, mais que je n'ai jamais fini, je suis même jamais allé très très loin. Et il s'avère que c'est quand même un très bon jeu, et que du coup j'aimerais beaucoup le finir ce petit jeu. Donc ben, je l'ai choisi, et je ne sais pas du tout comment va se passer actuellement le let's play, hein, parce que on verra si je fais que les quêtes principales, si je fais un peu des quêtes secondaires, si ça va durer 10 000 ans comme dans Goblin ou pas, j'en sais rien du tout, on verra, je vais pas me poser trop de questions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira, et on est parti. J'ai pas mis les sous-titres, je crois. Salut. Salut les gars. How are you today? It's a good day. Ah, c'est sûr, hein, tu compares les graphismes de Skyrim avec les graphismes de The Witcher 3, c'est pas la même. Hein. Mais bon. Mais bon, regarde. Ah, vous avez fini par vous réveiller ? Yep. Je vais juste te mettre. Ok. Juste te mettre les sous-titres, mon bonhomme. Si je peux. Évidemment. Sous-titres, dialogue, yep. Et généraux aussi, d'ailleurs. Voilà, voilà. Comme ça, ce sera très bien. Ce sera mieux. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, les voleurs là. Voleurs. Port de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire peut. Ouais, bah. Nous sommes tous des frères prennent. Et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Ah, oh, ferme ta gueule, toi. Un peu de respect. Parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric? Le Jarl de Charles de Verdôme? C'est vous qui venez là. Et puisque vous vous êtes fait prendre, parmi Dieu, vous en êtes-il? Aucune importance. Sauvez une garde et tout le chemin. Quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Ouais, j'avoue. Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Intéressant. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Le bourreau? Bien. Je ne veux pas mourir. Empêchons-nous d'en finir. Je l'avais dit que ça allait être une belle journée. Le soleil déjà pointe déjà son nez. Je crois qu'il va mal finir, lui, regardez, le premier souvenir. Général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmor sont avec lui. Satan et elle. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Toujours la faute des elfes, tout ça. Ils se prennent pour des bolos. Ils prennent pour des bons et après, hop, on dit, voilà, c'est leur faute. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Dommage. Aujourd'hui, on va te couper la tête, mon ami. Allez quoi, laissez-moi. À votre avis, la fin de voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Les dieux. Nous sommes pas, pas de dieux, moi. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous. C'est une erreur. En direction du bio quand vous entendez votre nom. L'Empire adore ces satanélistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric.
C'est lui. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Ils ont tous les droits actuellement. Désolé gros. Salut. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance. Avec un petit grand écart pour la fin. Pour le fun. Salut. Donc, qui suis-je? C'est une bonne question, ça, dis donc. Qu'est-ce que je suis? J'en sais rien du tout. Un argonien, un breton, un elfe des bois. Je n'y ai pas du tout réfléchi. C'est que ça ressemble vachement à un breton, quand même. Un breton. Un elfe des bois, un elfe noir, un haut elfe, un impérial, un khajiit, un nordique, un orc ou un rouge garde. Une bonne question, ça. Alors, cette race reptilienne bien adaptée aux dangereux marées de sa région d'origine avait développé une résistance naturelle aux maladies et capable de respirer sous l'eau. Régénération rapide de santé. Outre la grande maîtrise des sorts inhérents à leur race, même les plus humbles bretons ou les hauts-de-roche peuvent se vanter de leur résistance élevée à la magie. Ils utilisent le pouvoir peau de dragon pour se protéger des sorts. Habitants des forêts occidentales de Valboisée, également appelés Bosmaire, les elfes des bois font des beaux éclaireurs et de bons voleurs. Il n'y a pas de meilleurs archers dans tout Tamriel. Résistance naturelle au poison et aux maladies, ils peuvent ordonner à des animaux de se battre pour eux. Intéressant ça. Également appelés Dunmers, dans leur région d'origine de Morrowind, les elfes noirs sont célèbres pour leur talent de dissimulation et de magie. Ils sont naturellement résistants au feu et se servent de lyre ancestrale pour s'entourer de feu. Ok. Également appelés Altmer, dans l'archipel de l'automne dont ils sont originaires, les elfes sont passés maîtres en art des arcanes, plus que toute race. Ils utilisent le pouvoir régalien pour régénérer rapidement leur magie. Je sais pas ce que ça veut dire, moi, ça. Hein. Tout me parle chinois, là. Hein. Natifs de Cyrodiil, ce sont souvent d'excellents diplomates et commerciaux, à la fois doués pour le combat et pour la magie. Ils ont un sens de l'argent et des affaires inégalées et s'appuient sur la voix de l'empereur pour calmer leurs ennemis. Ouais, sauf que moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas des masses. Originaires de province d'Elsway, ils sont intelligents, vifs et agiles. Leur capacité à agir en toute discrétion fait d'eux d'excellents voleurs. Tous les gagites voient dans la nuit et se servent de leurs griffes pour attaquer. Et habitants de bord de Sial. Putain, c'est exactement le même code, genre. Salut, je suis ton jumeau en fait. Oh. Ils sont grands et ont les cheveux blonds, aussi forts qu'intrépides. Norgit sont célèbres pour leur résistance au froid et leur amour inné du combat. Ils peuvent se servir de cris de guerre pour faire fuir leurs adversaires. Très bien. Orc. Habitant les monts le Vrotgarien et la queue du dragon, les forgerons orcs sont très célèbres pour leur qualité et leur création. Les troupes orcs équipées d'armures lourdes. Comparé les meilleurs de l'Empire, elles sont redoutables lorsqu'elles laissent éclater leur colère de berserker. Rougegarde, meilleur guerrier de Tamriel, le Rougegarde de l'enclume bénéficie d'un robuste constitution et d'une résistance naturelle au poison. Ils servent de leur pousser derrière la ligne de combat. Alors j'hésite, du coup, entre Rougegarde, Khajiit, parce que j'aime bien, c'est des chats, tout ça, c'est cool. Et j'aimais bien la capacité d'elfe des bois, de pouvoir donner les animaux de se battre, ainsi que. Que ça, j'ai pas compris que c'était le wolf, mais bon, voilà. Du coup, ben, je sais pas trop. Rougegarde, Khajiit ou Elfe des Bois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, Gif, franchement. Je pense que je vais me faire un Rougegarde, en vrai. Hein, ouais. Mais, ouais, ben, les Khajiit qu'ils voient dans la nuit, c'est quand même cool, quoi. Je sais pas, est-ce que je tirerais pas ça au sort, je veux dire. C'est le point de toute ma carrière YouTube actuellement. Moi se base sur le tirage au sort. Alors on va tirer au sort. Combien il y en a? Combien on en a? On en a 1, 2, 3. Ah merci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 races différentes. Ok, alors on va tirer au sort entre 1 et 10. Et on va voir sur qui on tombe. Et ce sera donc celui-là qu'on va choisir, tout simplement. Parce que de toute façon, j'y connais rien. J'ai jamais fini le jeu. J'avais pris un Khajiit la dernière fois, mais je suis allé vraiment pas très loin. Donc, du coup, ben voilà, autant découvrir quoi. Entre 1 et 10, attention, je génère. Hop, 2. Un breton. Bon, bah, ben, très bien. Faisons breton alors. Le choix n'est pas mien. Je laisse le hasard choisir pour moi. Non, prisonnier. Non, c'est pas mon nom ça. Je m'appelle pas prisonnier, les gars. Sexe. Ah, est-ce que je me fais une femme ou un homme? Ça, c'est une bonne question ça. Est-ce que, s'il te plaît.
Franchement, je trouve que meuf, c'est plus stylé. Hein. L'autre, il est vraiment une sale gueule quand même. Enfin, je veux pas piquer, tu vois, mais genre, les petits cheveux, la petite tête et tout, la petite moustache là. C'est pas terrible, terrible tout ça. Peut-être que je vais me faire une meuf. Est-ce que je tire tout au sort? Je pourrais tout tirer au sort. De toute façon, entre 1 et 2. Allez, générer 2. Et ben voilà, je serai une meuf. Très bien, je serai une meuf. Et je serai donc un mage. C'est d'après ce que j'ai compris, les mages sont... les bretons sont bien en mage. Oh, les sales, oh, la sale gueule. Oh, pardon meuf, mais genre... Oh mon dieu. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour toi. Ouais, ça baisse la tête. Vas-y, baisse les yeux. Prédéterminé. Ouais, bah écoute, moi j'aimais bien... J'aimais bien la meuf du début. C'était un peu normal, tu me diras, mais... Ils ont vraiment une bouche. Ouais, ça j'aime bien, vas-y. Teint de peau. Ah ah. Alors là, mec. Moi je vais faire une breton black, tu sais quoi. De ouf. Quoi, enfin black. Y'a plus black que ça, tu vois. Mais... Quoi. Oh, bref. In the middle. Corps, tête. Aspect. Non, mais j'aime bien cette tête actuelle là, c'est pas mal. Hein. Est-ce que tu peux cliquer s'il te plaît? Oh la vieille! Ah d'accord, plus t'avances, t'es vieux, non? On va regarder l'aspect de base. Terre! Quoi terre? Quoi ça terre? C'est genre si on est couvert de terre ou pas? Blague. Cicatrice. Bon, on a une petite cicatrice sympa là quand même. Genre est-ce qu'on s'en met une autre pas pareil? Plus en mode. Subtil. Subtil cicatrice, c'est pas très subtil. C'est pas très très subtil ça. Ah j'aime bien, ça fait un peu comme une larme. En mode, je pleure mes ancêtres perdus. Oh. Une peinture de guerre. Bon là elle en a déjà je crois, autour des yeux. Enfin, moi ce que ce soit juste son maquillage de base, mais je ne pense pas. Alors est-ce qu'on lui mettrait pas un truc un peu plus genre flippant? Du genre peut-être ça. Ou alors... Non, mais les cicatrices, j'avais déjà choisi. J'avais choisi l'alarme. Allez. Faut qu'on la voit, quand même. Oh, on la voit un peu, quand même. Ça va. Franchement, j'aime bien le fait de recouvrir ses yeux, sachant qu'elle a les cheveux tout blancs. Je trouve que c'est pas dégueu. Par contre, je lui ferais bien un truc un peu moins précis que ça. Genre ça ou ça. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous trouvez ça dégueulasse, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien. Le noir, bon ça va, c'est bien, avec ses cheveux blancs, ça ira très bien. Bon, je vais pas me faire chier à faire tout le visage parce que j'ai un peu la flemme, je vous avouerai. Je trouve qu'elle est pas mal comme ça au final. Autour de la mâchoire, tout ça, il y a toujours plein de trucs à régler, mais bon. Voilà. C'est. Ça m'intéresse moyen quoi. Les yeux ça me va. Les sourcils ça me va. On va voir qu'on pourrait peut-être faire une meuf sans sourcils, genre. Ah non, c'est chelou. Plus, un peu plus genre violent, plus mesquin. Genre fin, mais genre ouais, peut-être pas si fin que ça. Ouais. Ouais, comme ça. Allez, vas-y, on va mettre celle-là. Et on va s'arrêter là pour les sourcils. Tout va bien. Bouche, ok, bon ça va, je m'en fous. Elle a une bonne bouche bien pulpeuse, c'est sympathique. Les cheveux, est-ce que je lui change sa coupe de cheveux? Ça peut être intéressant ça par contre. Wow, 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 wow. Non, non. Oh, c'est pas mal ça, en vrai. Genre une iroquoise avec une petite tresse sur le côté. Là. Si tu veux faire peur, c'est pas mal. Après, j'aimais bien sa coupe de départ aussi. Sans mentir. Alors une petite coupe avec des petites tresses comme ça là. Eh, on est dans un jeu, hein. Autant faire des trucs qu'on peut pas faire d'habitude, je veux dire. Enfin, on peut, mais moi je me ferai jamais une iroquoise comme ça. C'est stylé pourtant. Vas-y, on va prendre ça, je crois. On va prendre ça, je pense. Ouais, vas-y, allez. Ouais, des ouf. Les couleurs blanc, blanc, non mais blanc, c'est bien. Hein. Blanc, genre, très blanc. Hop.
Très bien, R terminé. Ok, oui, je veux donner un nom à mon personnage. Et mon personnage qui est une femme, ça paraît quand même Youp. Parce que Youp, c'est parfait. C'est genre... universellement... enfin, tout genre, quoi. Tout genre. Vous êtes de Daggerfall. Daggerfall. Vous fuyez une intrigue de cour. C'est le... Captain, que fait-on? Elle ne figure pas sur la liste. Eh ben, on la laisse partir. Elle va au bio. Quoi? Mais à vas-y, ferme ta gueule, toi. Désolé. D'où? Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé à Outroche. Ouais, merci, mais sinon suivez, je peux aussi capitaine. Ne pas y aller, ça m'irait très bien, en fait. Je veux pas mourir. Laissez-moi vivre. Ulfric son brave. Bitch. Certains ici et Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Bon, ça va, hein. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais, l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Mais c'est parce que vous êtes des abrutis. Moi, je voulais juste... voilà. Qu'est-ce que c'était que ça? Non, j'en sais rien. C'est rien. Je sais pas ce qu'il a fait au final. Oui, Général Thaddeus. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius. Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Ouais, j'avoue. Allez, je n'ai pas toute la journée. Ouais, non plus. Merde. Les ancêtres me sourient, Aperdi. Pouvez-vous en dire autant? Et... Zboum. Une tête en moins. Je me demande si ça se vend, les têtes. Chien de Périot. Justice. Mort au courage. Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Ouais, ouais, c'était un bel homme. Mais il est mort. Quoi, moi? J'ai rien demandé, moi. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. C'est pas moi le suivant. Enfin, allez, la suivante. Au bio. Et dans le calme. Quoi, moi? Mais non, mais pas moi, j'ai dit. Ça va pas? Oh. Et vous attirez les foudres de dragon, moi, je vous le dis. Tout ça parce que vous m'avez choisi, moi. Je vous répète. Salut Alduin, comment ça va? Le voyez-vous? Non, je vois pas, non. Je vois pas. Un dragon. Salut les gars! Oh le dragon! Oh là! Du coup, pour me libérer ou comment ça se passe? Comment ça se passe votre vie là? Roda. Pousse! Est-ce que je peux bouger s'il vous plaît? Par là! Waouh! 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 Ah merde, shift pour marcher lentement, je veux pas marcher lentement, mais casse-toi, tu vois pas que tu me gênes. Casse-toi. Oh bordel. Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Apparemment ouais. Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Ouais. Toi t'es le Rick là. T'es le roi toi là. Il faut y aller, Matt. Par la tour, allez. Bon bah allons-y hein. Allons-y, allons-y. Ah what the... Eh regarde, il y a un truc que je peux faire qui est drôle. Regarde. Ah! Ah non, c'est par là. Oh non, je peux pas. Si je pouvais. Genre normalement. Ah! Allez. Ouais, ok. Je me suis un peu trompé de route. Non mais normalement, j'avais dit que dans le speedrun, on peut sauter à côté de la tête du dragon en mode salut. Allez, et Ah mais c'est là où je suis allé en fait. Ouais, non, c'est par là qu'il faut aller. Yo! Yo! On peut sauter, faire le tour de la tour, passer par les remparts et donc sauter tout le début du tuto. C'était drôle, alors je voulais essayer. Ouais, j'ai pas réussi. Tant pis. Salut les gars. Wow. Calme-toi. Wow. M'attaque pas comme ça, je t'ai rien fait. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Ouais. Occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Ouais, ok. Et Dieu vous guide, Akbar. Allons-y. On sait le suivre, non? Comment on fait pour courir dans ce jeu? On peut sauter, très bien. Wouhou. Wow. Tiens. Non. Allez, suivons-toi. Salut. Ah, oh, what the... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce... Quoi?
C'est quoi ce délire? Un peu, qu'est-ce qui vient de se passer ou Voilà, pas compris. Il vous faut moi, mais plus tard. Pour l'instant, je vais en faire pour vous. Je crois que c'est le moment où il faut que je choisisse entre entre les impériaux ou les sombrages. Allons-y. Vite. Vite, fuyons. On va se faire tuer par un gros dragon. Trop méchant. Bah du coup je suis entré avec lui. Mais j'avais pas choisi, en fait. Bon bah, c'est pas grave. Nous retrouverons à Sovngarde, frère. Ouais. Salut frère. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Bon, bah du coup j'ai choisi la rébellion. Sans forcément faire exprès, mais j'ai choisi la rébellion. Les gens et les contes pour enfants. Les héros de la fin des temps. On ferait mieux de partir. Quoi un héros? Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Allez, enlève-moi ça là. Et je puisse voilà. Récupérer mes mains. Prenez l'équipement de Gugnard tant que vous y êtes. On n'aura plus besoin. Gugnard? On n'est pas Gunjar? Nzo! Nzo! Prenez les affaires de Gugnard. Oui, bah ça va, ce que je fais. Calme. Hop, je prends tout. Salut l'ami. Très bien. Mettez cet arme. Inventaire, objet, j'imagine. Hop. Arme. Est-ce que j'ai une arme? Oui, une arche de fer. Très bien. Tenue, bandage de pied. Pas loin avec ça. Ah, bottes de fourrure. Tunique de jute. Ah, c'est mieux quand même. Par contre, il manque un peu un pantalon. Hein. Éventuellement. Non, c'est bon. Je vais voir si je peux trouver un moyen. Ça me correspond bien une hache, je trouve. Avec ma gueule. Voyons cette porte. Par contre, c'est un peu lent, genre. Je vais faire comme ça. Bon sang, on ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. Non. Je sais pas, essayons ailleurs. C'est bon, c'est ouvert là. Allez, ne vous arrêtez pas. À couvert. Vite, à couvert. Ouvrez cette porte. R pour accéder au sort. Est-ce que j'ai des sorts déjà? Hein? Destruction. Ah mais oui j'en ai. C'est génial. Vas-y on prend ça. R pour dégager le travail. Comment on fait pour genre faire des sorts? Allez vas-y. Vas-y je t'en prie. Tout d'abord. Non je rigole. Viens. Salaud. 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 Hey you die motherfucker. Vigueur faible. Ah oui. Comme dans les autres jeux. Vite, on recule. Vigueur, reviens à moi. Non. Je suis obligé de ne pas bouger pour récupérer ma vigueur, c'est une blague. Vas-y mon gars, j'ai confiance en toi, tu peux l'avoir. Et je le finis, juste pour le fun. Voilà, parfait. Juste pour l'expérience. M2 pour parer, oui je sais. Alors cherchez, qu'est-ce qu'il a lui? Clé du donjon, intéressant. Armure impériale, bon vas-y, je récupère tout, de toute façon. Hop. Quoi? 86 sur 300, vas-y. Largement de quoi prendre des trucs. Une fois que j'aurai hop là 109, c'est très bien. Au pire, je jetterai des trucs au fur et à mesure. Non, c'est pas grave. J'aimerais juste savoir genre comment faire pour lancer mes sorts destruction. Flamme. Ah, oh, intéressant. Wouhou, génial. Bon, allons-y. Déverrons-le. Ah ouais, il y a des trucs avec les sauts aussi, genre. Si je prends le saut et que je l'utilise, je crois, objet, que je mets divers. Dans divers, je crois. Saut. Vous pouvez pas vous équiper tes objets. Ah bon? On s'en fout, alors. Lâchons-le. Tant pis. Allons-y. Je peux parer? Ah non. Je peux frapper. J'utilise ma vigueur, mais je ne peux pas parer. Wow, se calme. Ok les gars. Merde. Ce dragon n'abandonne jamais. Vraiment pas. Tout ce qui est important et partons. Le dragon est en train de tout brûler. Oui, j'ai tellement besoin de rassembler plus de potions. Les prisonniers s'échappent. Il y a un dragon au-dessus de vous, c'est bon quoi. Wow. Là, je suis censé fuir en mode là, tu brûles. Non. Crève. Vos points de magie sont bas, vous pourrez bientôt plus lancer le moindre sort. Buvez une potion, attendez que vos réserves se régénèrent. Oui, j'imagine. Ah ah! Die, motherfucker!
chercher. Est-ce qu'on reprend encore tout ou pas? Je veux dire, au bout d'un moment, je peux avoir de place, non? Bon, on verra quand j'aurai plus de place. Pour l'instant, on prend tout. Ça, je veux dire, ça se vend tout ça, non? Valeur 23. Pas mal, 125 et tout. Ça fait des thunes, tout ça. Y'a rien à récupérer dans le coin. Hein. Potion de magie légère. Ben voilà, parfait. Excellent. Excellent, potion de soin. Et du vin. Allez, du vin. Allons-y. Cherchez tonneau. Et ben voilà, parfait. Potion de soin, potion de machin, voilà. Excellent. On se refait une belle petite santé, là. C'est parfait. Une potion de soin léger. Très bien. Terminé. Allons-y. Ouais, 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 ça va, ça va. Calme. Delta. Vous avez entendu. Allez. C'est qui qu'on doit tuer là? Les tortionnaires? C'est eux les tortionnaires? Salut les gars. Ah, mais je peux tuer Ralof aussi sans faire exprès avec ma magie, ce serait con. Lui, il a pas des trucs qui m'intéressent lui? Impérial léger. Ça, c'est bien ça, c'est pour moi non? Je suis un petit peu un. Je suis un peu un mage quoi, genre il me faut des trucs. Un peu plus. Voilà, tu vois. Clouté, poids 6, armure 25. Légère, c'est la même armure, même nombre d'armure. Bon, on va prendre la légère. Botte impériale légère. Armure 11. Bah, je sais pas trop en fait ce qu'il vaut mieux que je prenne ou pas, tu vois. Gantelet impériaux. Gantelet impériaux. Léger, plus 7. Bon, on va faire ça comme ça. Une seconde. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. On dirait qu'il y a quelque chose. C'est fermé. Oh, un homme. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. Ah, ok, comment je fais? Utilisez mouse pour faire tourner le crochet, puis Z pour faire tourner le verrou. Plus le crochet se rapproche de la bonne position, et moins il oppose de résistance à la rotation du verrou. Vous devez trouver le cran idéal avec le crochet pour pouvoir faire tourner complètement le verrou et l'ouvrir. Et comment on sait, genre? Y'a pas un bruit, quoi? Ah! Aïe! Merde! Hey! Je suis arrivé! Je sais pas comment, mais je suis arrivé! Allez, allons-y! Livret de sort, étincelle. Cherchez mage. Ah, ben voilà! Bon, déjà, ça, on va le prendre, ça aussi. Capuchon de novice, armure. Magie plus 30. Ah oui, quand même. Bon, y a aucune armure, mais. Mais en même temps, c'est stylé. Tu vois. Ok, bon, vas-y, on va prendre ça. Je suis un mage, de toute façon, je suis censé être un mage. Donc, on va s'adapter, hein, et on va porter les trucs de mage, tout simplement. Capuchon de novice, et c'est où l'autre truc, là? Robe de novice. Voilà. Très bien. On garde les gants. Ok, très bien. Mais y a d'autres trucs à récupérer ou pas? Non, là il y a rien. Et là il y a des os. Ouais, c'est pas mal des os aussi, on aime bien. Ouais, on aime bien. Comment on court dans ce pays, hein? C'est une bonne question ça. Salut. Fermez la porte. Déverrouillez la porte. Novice. Novice toi-même! Là je regarde s'il n'y a rien à récupérer. Il y a un truc là-bas, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. On continue. Peu importe. Oh les gars, je suis tellement désolé. Robe usée. Ça n'a aucune valeur. N'est-ce pas? Il va falloir que je trouve un marchand assez vite quand même. Hein. Par ici. C'est par deux. Par ici, oui, j'imagine oui, c'est par ici. Elda! Elda! Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Ah ouais? Je vais pas attendre de me faire tuer par un dragon. Il faut... Les ordres, c'est que je vous défonce. Comme ça. Exactement.
Là il faut. Voilà, parfait. Hey, ça y go. Hop là. Et voilà. Ah bon. D'où tu m'attaques toi? Je peux pas traverser ça là. Blague. Moi qui fais ça? Ouais pas. Mais arrête de foncer dans les flammes aussi, t'es débile toi. Voilà, il est mort. Débile mental. Bon, par contre, je vais juste prendre ce qu'il y a vraiment beaucoup de valeur. Que... arc long, ça, ça, et voilà. Parce que j'ai bientôt plus de place. Voyez-vous? Voyez-vous? Du coup, ça, j'ai dit arc long, lac de fer, on s'en fout. Ça, je prends. Le reste, on prend. J'ai bientôt plus de place, hein. je vais marcher comme un putain de mec lent après. Et on y va. Allez, c'est parti. Delta. Delta. Et il a fait des trucs tellement chelous dans le speedrun, genre en mode je sais pas, je regarde les murs et tout, je fais les glitches de la map. Ouais, ça va. On s'en fout, on veut s'avancer. Avançons vers la victoire. Vers la fin, vers la sortie. Sortons. Aïe! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi là? Oh, une bourse! 13! Nice! Nice! Moi, ce que je veux, c'est trouver un marchand. Des araignées! Salut les gars! Ok, très bien, il m'attaque de loin. Oh putain, il y en a beaucoup là! Oh putain de merde! Oh putain de merde! Cassez-vous, bande de salopes! Allez, moi je vous défonce! À coup de flamme dans la gueule! La main de cuche! Bon, c'est bon, j'essaie de défoncer. Et on peut brûler ça aussi. Histoire qu'il n'y en ait pas qui sortent en mode. On peut pas brûler les. Les toiles, non? Salut! Cherchez, poche à soi, queue de renard. Rognard. Ah oh, what the. Qui c'est quoi? Qui c'est? Quand? Pourquoi des fois je me fais attaquer? Je sais même pas d'où. C'est une blague. C'est trop bizarre. Bon, continuons. Suivons-le, l'ami. Suivons-le, suivons-le. Bon, j'imagine que ça doit être par là. Il y a pas de trucs à récupérer là-haut, par hasard. Hop. Allez, saute. Saute, salaud. Saute. Saute. Allez, allez, allez. 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 Eh bé. Quoi de ta vie? Il n'y avait rien de toute façon. Un instant. Il y a un ours droit devant. Vous le voyez? Ouais. On le bute. Nous pourrions peut-être passer discrètement. Allez-y tout doucement. Et attention où vous mettez les pieds. Utilisez shift pour contrôle. Contrôle pour déplacer cette façon. Je couvre les arrières. Non, il n'y a pas des trucs intéressants derrière lui, genre. Récupérer. Détecter. J'aimerais bien essayer de voir si je peux pas le tuer. Les amis, ça va ? Ah voilà. Alors quoi ? Griffe d'ours. Peau d'ours. Ça a de la valeur ça. Très bien. Y a pas d'autres trucs genre là-haut, ça cachait pas quelque chose en mode ouais, si tu tues l'ours, tu pourras récupérer des trucs cool et tout. Non. Bon bah attends. Tant pis alors, tant pis, continuons. On a tué un ours pour pas grand chose, il a la peau d'ours. C'est déjà ça, valeur 50. Je savais qu'on allait s'en sortir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre. Verbeur de ciel. Bon, mais sur ce fut un plaisir de faire cette petite vidéo avec vous. Je suis tombé sur un mage. Un mage. La magie, c'est beau. Et puis c'est la fin de ce premier épisode. On va passer au deuxième juste après. Je vous dis à tout de suite. Tchuss.